Le directeur de mon agence bancaire vient de changer et il veut me faire payer ma carte bancaire alors que depuis 2012, je ne la payais plus, étant un bon client. Que me conseillez-vous de faire ? Loïc, si vous voulez vous réduire vos frais bancaires, la solution la plus simple consiste encore à changer de banque et pourquoi pas à opter pour un établissement 100% en ligne. Tous les comparatifs réalisés par le revenu le prouvent. Sur le front des tarifs, elles sont imbattables. Souvent, elles proposent d'ailleurs la gratuité, la carte bancaire Gold, sous réserve de dépasser un certain niveau de salaire et ou de disposer d'un minimum d'avoirs financiers dans la dite banque. Si vous trouvez l'anonymat d'Internet un peu pénible ou si vous voulez conserver un interlocuteur, ben pourquoi pas négocier avec votre banque la gratuité de la carte bancaire en mettant en avant votre meilleur profil, capacité d'épargne, montant de placement, quitte à transférer certains comptes dans un autre établissement, histoire de bien montrer à votre interlocuteur vos motivations. Bon à savoir, le changement d'interlocuteur est une technique classique utilisée par les banques pour faire table rase du passé, notamment des petits arrangements entre amis qui finissent par caractériser toute relation bancaire.